coup, alors, on est. On est quel jour? Attends, je sais pas quel jour. Je te jure, je sais pas quel jour. On est mardi. Il est 17h20 et en fait, Marwan et moi, on devait partir à midi à Marseille. On devait passer la journée à visiter. Finalement, de fil en aiguille, la journée est passée super vite et on n'est pas parti. Enfin, de fil en aiguille, comme d'hab, Farid m'a dit, je t'emmène la voiture à midi. Il m'a ramené la voiture vers 16h. Et le temps qu'après on se prépare, machin, qu'on dise, ah ben non, on n'y va pas finalement. Il est tard. Donc le programme, c'est que là, on a à peu près une heure de route pour arriver à Marseille. On va directement à Notre-Dame-de-la-Garde. Donc on t'emmène visiter Notre-Dame. On t'emmène visiter un petit peu le vieux port de Marseille. Après, on va faire une surprise à une amie à moi qui s'appelle Stéphanie. Et en fait, Stéphanie, c'était ma copine avec laquelle on avait créé une... Je regarde si je gêne pas. On avait créé une association de danse quand on avait 20 ans. Et en fait, c'était une asso de pom-pom girl. Et on était 5 filles. Et de fil en aiguille, on a tout arrêté sauf Stéphanie. Donc Stéphanie a toujours l'école de danse. Elle marche super bien. Mais c'est les pompons plus ou moins officiels de Marseille. Elles tournent partout dans la France. Et elles font même un peu d'étrangers. Du coup, on va aller les voir pendant leur répète. Et ça va être trop cool. Parce qu'au moins, tu vas connaître Stéphanie. Tu vas connaître les pom-pom girls. Tu vas connaître cette ambiance de pompons. Et ça va être vachement sympa. Après, qu'est-ce que j'ai prévu qu'on fasse? Après, peut-être on va se promener avec Marwan et puis on rentrera. Et puis ce soir, on verra. Voilà. Ah putain, c'est pour ça qu'on descend à Marseille. C'est parce qu'on doit l'acheter des habits. J'avais oublié. Tu déconnes? Ah non, j'avais pas. J'avais oublié, moi, qu'on faisait ça. Mais attends, tu sais, qu'est-ce qu'on dit à maman quand on s'embrouille avec maman? C'est que son lit ou pas? Tu vas rigoler. Quand on s'embrouille, on lui dit. De toute façon, Laetitia, elle avait raison de ce qu'elle nous a dit sur toi. En fait, c'est pour ça qu'elle est énervée contre toi à chaque fois. Alors que souvent, vous parlez d'un truc que je suis même pas au courant. Voilà. Et du coup, après, elle m'appelle, elle m'embrouille à moi. Voilà. C'est ça l'histoire. Ouais. Ça marche? Chaque fois, elle m'embrouille. Après, elle me fait la gueule pendant des mois. Et je suis jamais au courant de pourquoi elle me fait la gueule. Ah, c'est ça l'histoire? Vous abusez quand même. On est super fort. C'est un homme épatant. Et si je soigne mon turban, c'est pour qu'il soit content. C'est pour qu'il soit content. Faut que t'écoutes ça, cette musique de l'enseignement, c'est trop beau. Si ferme sa bouche. Prenez la 4. La dernière fois, il m'a fait écouter sa musique. Moi, je vais lui faire écouter ma musique que j'écoutais quand j'avais son âge. Je tremble de passion comme une feuille au moindre frisson quand tu es là. Vous avez atteint votre destination. Derrière moi, tu me rends fou. Je ne peux plus penser lorsque j'entends ta voix. Je frissonne quand tu laisses ta main poser tout contre moi. Déjà, évite de chanter quand tu dis. Je ne sais pas du tout chanter. Arrête de t'enjailler, s'il te plaît. Qu'est-ce que je pense? Je sais pas ce que ça veut dire, s'enjailler. Alors, t'aimes la musique? De s'ambiancer tout seul. Ok, t'aimes la musique d'avant? Bah, en fait, c'est l'over, tu vois. Donc, t'aimes pas? Si, tu vois. Ah, t'as aimé? Mais j'écouterai pas. Enfin. Donc là, Marwan, il va savoir, il va voir ce que moi j'écoute. Ce que j'aime. Moi, sa grande soeur préférée. Tu pues des pieds, Marwan. Quoi? Oh. C'est pas possible que je pue des pieds alors que j'ai des chaussures. Oui, mais tu pues des pieds des chaussures, ça, ton odeur elle transperce. Ah ouais. Ah ouais. J'ai une playlist, je l'ai appelée La Honte. Il y a que du Kenji. Il y a que du Kenji Girac. C'est l'album de Kenji Girac parce qu'en fait j'aime trop. Je tu ne peux sais pas, tu sais pas. J'aimerais pas, je me bouche les oreilles, je sors de la voiture. Ah, c'est celle-là que j'aime. Attends. Juste celle-là, pour voir, peut-être t'aimeras. Je crois que j'ai été bien trop là. Arrête de... Non, je m'en fous, laisse-moi écouter ma chanson. Parti sans même prendre. Je fais toujours ce même rêve. Je me vois refaire toujours ce même rêve.
les bidons. Arrête de faire ça. Rêver que d'amour. Allez, danser avec moi. J'avais son. Je sais que je n'étais pas pour elle. J'ai fait de la honte, il est parti. Oh, la menace de malade, voilà. T'as dit quoi? J'ai dit, si elle remet du Kenji Girac, je me désabonne de sa chaîne. Voilà. Bon, alors là, on arrive à Grand Littoral, c'est un des plus grands. C'est le plus grand centre commercial de Marseille. C'est un cauchemar pour moi, je déteste être là, je déteste. Je suis en enfer. Il y a des gens partout et tout le monde achète. C'est horrible. Et là, je vais à Emma parce qu'en fait, toutes les blogueuses de la Terre, elles parlent de ce magasin et je ne suis jamais rentrée dedans. Donc, je veux savoir pourquoi tout le monde aime ce magasin. A priori, je pense qu'il n'y a que des babioles. Est-ce que je vais résister à la tentation d'acheter des trucs à Emma? En fait, il n'y a que des trucs de filles et c'est que des trucs mignons. Du coup, si t'es une fille, t'as envie de tout acheter. Ils se moquent de moi parce que je comprends pas le style des jeunes. Ils viennent me dire, peut-être tu comprends droit de toi. Je vais montrer des chaussures, je lui ai dit, Marwan, c'est ton style ça? Et il m'a dit, non, je préfère des plus basses comme Victoria. Ouais. Et je lui ai dit, c'est qui Victoria? Et c'est qui Victoria en fait? C'est des chaussures. Et il a acheté un pantalon et je lui ai dit, mais tu veux pas t'acheter un vrai pantalon pour aller à l'école? Parce qu'en fait, je croyais que c'était un pyjama, mais en fait, c'était un vrai pantalon pour aller à l'école. Et là, la sacoche, est-ce que tu la prends parce que tu as juste envie d'acheter un truc ou est-ce qu'elle te plaît vraiment? Non, parce qu'elle est belle. Ouais, c'est ça. T'as eu aucun coup de cœur. Là, t'as juste vu un truc, t'as dit, oh, c'est pas cher, j'achète. Le problème, c'est qu'en fait, c'est des achats qui se font de manière impulsive et il n'y a pas de réflexion derrière. Et c'est moi qui porte. C'est moi la pigeonne qui porte. Alors. Je suis impressionnée par ton sens du choix réfléchi. Je me sens arnaquée, il avait droit à 50 euros d'habits. En fait, il a fait 50 euros par sac. Merci. T'es content? Et ouais. On dit quoi, sa grande soeur chérie? Merci. Merci qui? Laetitia, le corps, la maison, l'esprit. Le corps, la maison, l'esprit. Ouais, merci ma grande sœur chérie. Ah, merci ma grande sœur chérie. Et qu'est-ce qu'on ne dira pas à Farid? Que ça a coûté 100 euros. On lui dira pas, donc c'est un secret. Chut. On va sur tes vidéos. Il y avait un budget de 50 euros. Okay. Farid, il regarde jamais mes vidéos, alors tous les secrets que je te dis, faut pas lui dire. Donc là, Farid, on va lui dire que ça a fait à peu près 50 euros. Et peut-être qu'il le découvrira ou peut-être pas. On sait pas, on saura jamais. En fait, j'ai compris pourquoi je déteste les magasins. Je déteste. Parce qu'en fait, quand je suis dans un magasin et que j'y passe du temps, j'ai la sensation qu'on m'a volé du temps de ma vie. Tu comprends ou pas ce que je veux dire? Là, en fait, je me dis que si je rentrais chez moi maintenant, ce serait terrible. Parce que ça voudrait dire que ma journée, elle s'est résumée. Ma seule activité de la journée, ça a été d'aller acheter des trucs. C'est horrible. De m'enfermer dans un truc plein de lumière d'êtres humains. Oh là là. Il y avait un milliard d'êtres humains, c'est choquant. C'était trop. Il y en avait un milliard au mètre carré. Abusé. Ah. 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 Oh, c'est bon. Faut pas oublier. Oh, oh. And I'm in a club and I'm looking for love. Ooh la la la. Don't come at me, try to show up. Don't waste your time. If you can resist, it's not a problem. We don't need to know each other. Alors t'aimes? Non. Pourquoi t'aimes pas? Mais non. C'est moi la chaîne. Mes covers. Non. Mais tu l'aimes. Mais ta mère, laisse-moi tranquille, je mets ce que je veux. Mais ta mère, on a la même mère, super. Dinimarek. Benaouyek. Dinimarek. T'as dit Marek. Dinimari. Laisse mes chansons. Belouek. Mais trop biche.
triche. Ferrari. Ferrari, on a compris hein. Ah écoute, hein, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Alors ça c'était la classe à mon époque. C'était la classe internationale. Tout le monde a chanté sur cette chanson. Tout le monde connaît les paroles. Parc. On l'a chanté tout le temps. Assume ta vie, on l'a chanté tous les deux. On faisait des tours. Ce n'est qu'une question de niveau. Ce n'est qu'une question de niveau. Tu mens. J'ai envie de sortir unique. Donc je veux que tu mens. Je veux que tu me mens. Si tu manges, t'éclates. Tu mens pas. Je mens pas. Donc on sait pas si Stéphanie est là, on sait pas si la troupe de danseuses est là. J'espère. Donc on va essayer, lui l'espère. On va essayer de faire la surprise et puis de voir. J'ai mal au flanc. C'est dur la jeunesse. J'entends de la musique. Je crois qu'elles sont là-bas. Faites demi-tour. Ah non, faites demi-tour. Non, viens là. Soirée finalement avec Steph et les danseuses, on les a regardées répéter et après on... 800 mètres, tournez à droite. Et après on était avec elle pendant qu'elle qu'elle se préparait pour aller en soirée. Nous on n'est pas allé en soirée avec elle parce que je suis avec un mineur. Après c'est rigolo parce qu'il y avait une soirée salsa, il y avait un cours de salsa, un cours de samba. Et j'ai mis ma tête dedans et il y a le prof qui m'a proposé de danser avec lui. Alors du coup j'ai dansé avec lui, c'était cool. Et là on devait aller à Notre-Dame de la Garde mais il est vachement tard, il est 22h. Du coup je vais plutôt rentrer à la maison et faire des trucs d'une personne normale, c'est-à-dire monter mes vidéos. 200 mètres, tournez à droite. Merci. Tourner mes vidéos et travailler et je vais enfin remettre mes vlogs en route. Enfin si tu en as cette vidéo, tu t'en es pas, tu sais pas, mais pendant 5 jours j'ai pas mis de vlog en ligne parce que j'ai eu des petits problèmes de caméra.
et j'ai eu des problèmes d'ordinateur, des problèmes de disque dur et c'était la merde atomique, mais là ça va mieux. Est-ce qu'il a réparé tout ça? Et c'est ce jeune homme qui a tout réparé. Alors là, je la connais. Tu me l'as fait écouter pendant un milliard d'années. Pom 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 pom. Coucou. Alors là, on a passé la soirée finalement avec Steph et les danseuses. On les a regardées répéter. Et après, on... Tournez à droite. Merci. Et après, on était avec elle pendant qu'elle qu'elle se préparait pour aller en soirée. Mais nous, on n'est pas allé en soirée avec elle parce que je suis avec Amine. Attends, on va ouvrir 30 secondes parce qu'il faut que je fasse une concentration suprême. Restez à droite. Je reste à droite? Ah ouais, d'accord, je suis pas là-bas. Ok, parce que des fois, je m'embrouille avec mon GPS, mais là, je crois qu'il est là. À gauche. Chez nous, ma gauche, elle est là. Je peux pas savoir. Marwan, tu sais quoi? La droite et la gauche, c'est pas toujours la même. D'accord? C'est très relatif comme concept. La droite et la gauche, c'est pas toujours la même selon les gens. Arrête de faire le mec qui sait tout. Un jour, je te le souhaite pas de perdre ta droite et ta gauche. Tu feras moins de ton jeu. Perdre sa droite et sa gauche. Ouais. Come to a river. Ah oui, come to a river. Pom 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 pom. Attends, pause. Tu te rappelles quand je t'avais amené voir mon collège et tout ça? Et tu m'as traduit. C'est pas celle-ci. Non, mais c'était l'autre, est-ce que c'était du vrai? Ah oui, parfois c'est du vrai. Parce que là, j'ai l'impression que j'étais du mytho. Parce que là, quand tu fais. Je te jure sur ma vie que l'autre, c'était vrai. C'est quoi? Il marche pas ton truc? Mais oui, ça marche. Non. Il marche pas. Je sais pas, il marche pas. Oh, mais tu me fais mal! Refais avec tes mains. Ouais. Tu me fais mal, tu touches pas. Aïe, aïe, aïe. Non, mais tu fais comme ça et tu malaxes. Mais doucement, malaxe avec amour. Ouais, ça peut faire pour avoir une coque. Oh, il est bon. Je suis un petit bourgeois. C'est trop bien d'avoir tes frères. Tu sais faire des tresses? Non. Je sais faire ça. Hop, je tourne. Après, je mets le chouchou. C'est tout. Tu ressembles à rien. Un caniche. C'est sympa, merci de vouloir me faire ressembler à un caniche. Je pensais que tu voulais... Hop, il est où ton chouchou? J'ai jamais attaché de chouchou avec mes mains. Ça va être super dur. Hop, déjà. C'est bon ça. Hop. Un vrai chouchou. Tac, je le mets dans ma main. Je tiens ça. Hop. Comment on attache un chouchou? Comment on attache un chouchou? On fait comme ça? Ah, c'est bon, je comprends. Je vais le mettre là. Attends, attends, attends. Mais c'est quoi, t'essayes de faire une quoi, toi, chignon? Boum. Voilà. Waouh, comme je suis belle. Moi, je trouve, Karim, que t'as une tête carrée. Et là, on la voit bien. Tu vois? Ah ouais. Contactez-moi. Tu vois un truc? Tes cheveux, ils sont bizarres. Hop. Et là, j'ai vu ça dans une école de coiffure. T'as pas vu la douceur par contre, hein? T'as oublié de regarder ça. Je sais pas. Boum. Comment je... Arrête. Hop. Et hop. Boum. Oh, wow. Je suis tellement plus belle. Ah alors... ouais, non, mais ça change tout, quoi. Bon. Oh
Attends, fais doucement, je vais. Aïe, je vais t'éclater. Je vais t'éclater. Fais doucement. Mais c'est pas fais doucement. Faute. C'est pas ma faute si t'as des cheveux bizarres. Boum. Et là, qu'est-ce qu'on fait? La douleur, c'est dans la tête, là. À un moment donné, je t'ai une guerre, tu l'es pas. Je t'ai éclaté, tu vas voir si la douleur est dans la tête. Tu vas te prendre une louche dans la tête, tu vas voir où elle est à toi. C'est trop, il y a des cheveux, tu veux pas rentrer. Je suis en galère. Je suis en galère, attends. Non, franchement, je suis gratuit, moi. Mais tu m'étonnes que tu sois gratuit. Boum. Voilà. Belle coupe des cheveux. Mais franchement. Encore sur le marché, mais. Attends. Bon. Lette, c'est la douleur dans la tête. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Je vais t'éclater. T'es une guerrière ou t'es pas une guerrière? Je suis une guerrière, mec! Bah arrête de pleurer. T'es la patronne de la maison ou t'es pas la patronne de la maison? Je t'éclate. Après, sinon, moi, je suis pareil que le patron. Je t'éclate. Aïe, 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 ta tête là. Bon, allez, je te montre. Prends l'ordi, connecte. Boum. Que tu veuilles. Voilà. Wow. Ah, Farid, il arrive là, il me délaisse complètement quoi. Ouais. J'existe plus dès que t'es dans cette pièce. Ouais, tu mettras en veille, ah, je prends trop. Bonne nuit, ciao, les ça, mecs veulent plus que je parle. Bisous, à demain.